Bonjour, je m'appelle Odile Gakile Katese et je suis une artiste rwandaise qui vit entre Kigali et Butare. Et je suis connue principalement pour avoir créé la première compagnie des femmes tambourinaires qui s'appelle Ingomashi. Le projet est né il y a 14 ans, bientôt 15 ans, à Butare, au sein de l'Université nationale du Rwanda, au sein d'une institution qui s'appelle le Centre universitaire des arts. Donc à cette époque, j'étais la directrice artistique du Centre universitaire des arts. Et on a beaucoup travaillé avec des étudiants. Et à un moment, on manquait cruellement de personnes qui voulaient investir tout leur temps pour en faire un métier, pour en faire une profession, alors que les étudiants étaient d'abord étudiants. Et qu'à un moment aussi, on a travaillé avec des étudiants, on a travaillé avec des artistes autour du Rwanda, et on s'est rendu compte que les femmes n'étaient pas nécessairement présentes dans différents domaines. Elles étaient principalement cantonnées dans la danse traditionnelle, où on peut trouver vraiment une armée de femmes de danseuses traditionnelles. Et qu'ailleurs, dès qu'on s'écartait de la danse traditionnelle, qu'on allait dans le tambour, qu'on allait dans l'écriture, qu'on allait dans la réalisation des films, dans d'autres domaines, elles devenaient très peu nombreuses. Parce que tout simplement, pour différentes raisons, il y a des domaines qu'on estime qui sont exclusivement réservés aux hommes, on n'est pas intéressé, ça reste des activités masculines, mais pour le tambour, il y avait aussi un tabou, c'était interdit tout simplement depuis des siècles et des siècles, il n'y a jamais eu des femmes tambourinaires au Rwanda. Donc ça m'a intéressé d'aller explorer. Cet espace-là, tout simplement en tant qu'artiste, justement, les règles sont là pour être brisées, les barrières, on a toujours envie, en termes de nouveauté, de créativité, d'aller explorer de nouveaux espaces, de nouveaux domaines. Il y avait cette curiosité-là, saine, de dire, voilà, tiens, et si il y avait, comment, est-ce qu'on pourrait avoir une femme tambourinaire ou c'est un rêve irréalisable? Et quel est ce tabou-là? Est-ce que c'est vraiment sérieux? Il y a des raisons sérieuses et pertinentes derrière ce tabou-là? Et on s'est rendu compte que non, c'était juste des interdits qui existent depuis longtemps, que personne ne questionne. Ouais. Et qu'on perpétue tout simplement de manière mécanique et automatique sans nécessairement se poser des questions. Et j'aime bien le fait qu'un artiste se pose tout le temps des questions sur des interdits, sur de bonnes choses qui existent et questionne tout le temps une société qui évolue. Et on avait vraiment beaucoup de chance aussi, on était dans une époque où le Rwanda avait vraiment évolué en termes du genre. Ouais. Et il y avait la possibilité pour nous en tant que femmes d'explorer de nouveaux domaines. Et moi, en tant qu'artiste, j'avais envie d'explorer de nouveaux domaines dans le domaine artistique. Et pour différentes raisons, logistiques, financières et tout, on s'est retrouvé finalement avec la possibilité d'explorer le tambour. On avait le tambour qui était disponible là. Et je crois que c'est, comme on dit, quand quelque chose doit se réaliser, tout l'univers se met en place pour que ça se passe. Ben, il y avait des tambours, on avait qu'à amener des bâtons. On avait un espace, on avait des femmes qui avaient du temps à revendre, qui une fois fini les activités de la maison, avaient aussi envie de sortir de leur maison, de ne pas rester confinées dans leur activité domestique et d'avoir d'autres espaces aussi à explorer. Donc voilà, ça s'est fait à ce moment-là et c'est comme ça que l'histoire a commencé. On était vraiment excités et motivés par juste par le fait d'être les toutes premières femmes. On était conscients, en tout cas moi j'en étais consciente et les femmes aussi, que ce serait un moment historique si on arrivait à réaliser ça, que ce moment-là où on prenait la décision d'aller explorer ce domaine-là, le tambour, ce serait vraiment historique puisqu'on serait les toutes premières femmes. Nos noms s'inscriraient dans l'histoire du tambour au Rwanda. Et puis après, on espérait bien qu'au-delà de ça, ça deviendrait aussi une activité génératrice de revenus, une activité qui nous ouvrirait beaucoup d'opportunités. Et finalement, c'est ce que représente pour moi le tambour. C'est cet instrument-là qui nous a donné accès à beaucoup de choses, accès aux finances, aux moyens financiers, accès aux rêves, accès au fou rire, accès à la liberté, accès au monde, puisque ça nous a permis aussi de beaucoup voyager, et accès à la créativité. Donc on s'est rendu compte qu'on est capable de créer et de faire.
tout ce qu'on veut. Et c'est ce champ du possible-là qui a été ouvert aux femmes grâce au tambour. Le projet a été révolutionnaire de toutes les manières et a enlevé un des tabous qui était contre l'un des droits les plus fondamentaux de l'homme. Donc ça veut dire que il y a une certaine égalité du genre qui est en train de se faire vraiment dans le domaine, dans cette arène-là du tambour. Et pour moi, c'est très important que la femme aussi puisse participer. Donc c'est important que la femme puisse participer à la revalorisation de la culture. La culture évolue et ressemble à la société. Ouais. Et vraiment, moi, c'est les choses les plus élémentaires que j'ai apprises au départ quand on a commencé à faire l'art. Pour moi, on a toujours décrit ça comme le miroir de la société. Et actuellement, notre culture n'est pas en adéquation avec la société contemporaine rwandaise d'aujourd'hui. La femme a acquis beaucoup de droits, a beaucoup évolué, mais la culture reste encore archaïque. Est très vieille et très pleine de poussière. Il faut qu'elle soit en adéquation avec la société. Ça, c'est très important. Et c'est important aussi parce que la culture du genre et la culture, la politique du genre et la politique de la culture sont vraiment en contradiction. C'est normal. Mais justement, il faut que l'une des politiques s'adapte à l'autre. Oui. Et tant que la culture rwandaise restera aussi conservée telle qu'elle nous a été transmise par nos ancêtres, la politique du genre n'a pas beaucoup de chance. Puisque la manière dont on élève une fille au Rwanda, si on se réfère aux valeurs traditionnelles et culturelles qui viennent d'un système qui était patriarcal, la femme, elle n'a pas beaucoup de chance. Elle grandit avec beaucoup d'interdits, beaucoup de sous-entendus, beaucoup de choses qui ne lui permettent pas vraiment de s'exprimer et de réaliser tout son potentiel. Oui, ici, on a, après le génocide de 1994 contre les Tutsis, on s'est retrouvé avec une population majoritairement femme. Et les femmes constituaient la main d'œuvre avec laquelle il fallait composer pour reconstruire le pays. Donc, elles passaient des coulisses de la cuisine au premier rang d'ouvrières et de soldats pour la reconstruction de ce pays. Et il a fallu revoir beaucoup de lois par rapport à l'héritage, lui donner accès aux différents domaines pour qu'elle puisse justement reconstruire l'homme, pour qu'elle puisse prendre la place de cet homme-là qui n'était plus là. Donc on a une politique du genre qui vraiment encourage les femmes et promeut les femmes pour qu'elles puissent avoir accès au parlement, qu'elles puissent avoir accès à l'héritage, qu'elles puissent rentrer dans l'armée, qu'elles puissent être dans les plus hautes fonctions du pays. Voilà, donc aujourd'hui, en tout cas, le Rwanda est reconnu un peu comme le paradis pour la femme. Mais ce rêve-là, ou cette révolution du genre qu'il y a eu au Rwanda, n'est pas encore complète. La politique est vraiment bonne, mais l'exécution n'a pas encore eu lieu dans tous les domaines, à tous les niveaux. Et moi j'applaudis tout ce qui a été accompli dans les autres domaines du parlement, de l'armée, des lois, la violence contre le genre, la violence domestique. On a vraiment beaucoup pris beaucoup de lois qui protègent et qui promeuvent les femmes. Mais dans le domaine culturel, rien n'a bougé. Les interdits restent là. Et ces interdits-là ne sont pas que dans le domaine culturel. Ça affecte la jeune fille, la fille qui doit être demain femme parlementaire, qui doit être une femme entrepreneuse, qui doit être faire beaucoup de choses. Si culturellement les valeurs qu'on lui a données restent les mêmes vieilles valeurs, ça veut dire qu'on considère que la femme, elle a beau être femme parlementaire, elle a beau être pilote, elle a beau être tout ce qu'elle veut, tant qu'elle n'est pas mariée, tant qu'elle n'a pas d'enfant, tant que d'autres perceptions sociales dévalorisent cette femme-là. Donc du coup, les femmes,
elles continuent à les ambitions ne sont pas aussi grandes. C'est difficile d'aller réaliser cette politique du genre, puisque culturellement, elles ont des boulets, des poids qui ne permettent pas qu'elles avancent. Donc moi, c'est pour ça que j'estime que c'est important qu'au niveau culturel, que ce ne soit pas juste les activités comme le tambour, il y a aussi des valeurs qui doivent être revues pour pouvoir rencontrer la politique du genre actuelle. Maintenant, au niveau du tambour, voilà, c'est ce que cela symbolise. Le tambour symbolise tout simplement ça, qu'il est possible de briser des tabous, même si c'est un peu difficile, ce n'est pas des lois qui sont, des décrets qui sont écrits, ça c'est plus facile. C'est plus facile à tacler, alors que des choses qui sont dans le non-dit, qui sont dans la perception, dans l'imaginaire collectif, qui sont dans la perception sociale, c'est un peu difficile de les combattre. Et c'est pour ça que la femme tambourina, pour moi, symbolise ce nouveau règne, puisque le mot tambour aussi veut dire règne et pouvoir. Donc, on est vraiment la traduction littéraire, symbolique, de ce nouveau règne qu'on a, de ce nouveau pouvoir qui est vraiment pour les femmes. Et on ouvre aussi un peu les portes pour questionner tous les tabous aussi. Exactement, à un moment il faudra en arriver là, et puis pour aussi ouvrir tout l'imaginaire des femmes et vraiment les convaincre de manière pratique, pas seulement avec les paroles, qu'elles sont capables de tout faire et de se réinventer et de participer à la fabrication de cette culture, puisque la culture ressemble aux gens. Et nous faisons partie de la population. Ce n'est pas une culture qui va que ressembler, que refléter les hommes. Il faut absolument que ça reflète aussi les femmes qui sont actrices, pas nécessairement en dehors de ça. Donc, rentrer dans ça, c'est vraiment bousculer quelque chose et participer à la fabrication de la culture de demain. Même si moi, j'espère que je pourrai avoir la chance de voir ça avant de mourir. Vraiment de dire, voilà, on a aussi réussi à mouler cette culture par rapport à ce que nous voulons, et que la jeune fille de demain pourront, de manière naturelle, aller vers le tambour et représenter le pays. Parce que jusque-là, on ne représente pas encore la culture du pays, puisqu'il y a encore une difficulté à nous intégrer. Et voilà, c'est le combat de ce moment et des années à venir. Oui, je crois que le côté de guérir les blessures que, le génocide nous a laissées, pour moi, j'estime que c'est quelque chose de très important, et j'estime que les outils sont dans le domaine culturel. Et artistique. Et que comment reconstruire un homme après une catastrophe comme un génocide? Je n'ai pas nécessairement les réponses, mais je trouve que c'est que les hommes qui guérissent d'autres hommes. Et la plupart du temps, quand on a organisé des ateliers à Razimut, on faisait venir des professionnels du monde entier. Moi, au-delà de faire venir des artistes, on faisait venir des hommes. Qui avaient encore une grande part de leur humanité que nous avions perdue dans le génocide, et qui venaient nous réapprendre à rire, à se reconnecter, à se retrouver, sans le dire nécessairement, à travers d'autres activités, la peinture, le tambour, la musique, la danse. Qu'on le veuille ou pas, on se retrouve ensemble, et l'espace artistique, la scène, reste cet espace quand même où on peut se sentir suffisamment en sécurité pour se laisser aller, où on n'est pas dans un rapport frontal. Donc, ce que les femmes ont expérimenté aussi à travers le tambour, c'était, la plupart du temps, c'était des veuves, des enfants de génocidaires, des orphelines, qui sont venues et qui se sont retrouvées autour d'un outil qui leur a fait oublier leurs différences et leurs problèmes pour qu'elles se retrouvent ensemble. Et qu'il y a des femmes qui ont dit que le fait de se retrouver entourée de part et d'autre par d'autres femmes, moi, ça me fait sentir forte. Je ne suis pas seule, je suis ensemble. Donc, on est plus... C'est un espace, comme même le sport aussi, c'est un espace qui rassemble et qui sort de la solitude. Et comme c'est un outil aussi qui est plein de jubilation, de joie, d'énergie, qui revigore aussi les gens. Ils sortent de là en ayant retrouvé des amis, en ayant créé une autre famille autour du tambour.
et en ayant évacué aussi le fait de taper au tambour, elles ont souvent dit que voilà, moi j'ai l'impression que j'ai laissé tous mes problèmes au tambour et que après je me sens un peu plus légère pour repartir. Mais au-delà de ça, vraiment pour moi, je dis toujours que les artistes, la culture, ça part de l'identité d'un peuple ou des gens, et que notre identité a été vraiment détruite pendant le génocide et qu'il faut retisser le tissu social, comme on dit. Et c'est des activités aussi simples que ça, aussi humaines, où on réapprend ensemble à se battre pour une cause, à se retrouver pour des anniversaires, à se retrouver pour des mariages, à se retrouver pour des naissances. Et au-delà du tambour, d'autres activités, à se retrouver autour d'une crème glacée, on offre des espaces où les gens peuvent encore venir s'asseoir, mais négocier leur vie autour d'un autre, d'autres enjeux qui ne sont pas des enjeux autour d'autres enjeux qui sont aussi simples qu'un tambour. Donc ça permet d'avoir un autre point de vue, d'un autre point de départ, et de prendre de la distance par rapport au conflit éventuel qu'on peut avoir, et peut-être on apprend à qu'on peut vivre ensemble malgré les conflits qu'on peut avoir. On peut aller trouver d'autres points de rattache. Et ça, c'est important de pouvoir avoir cette possibilité-là, d'aller se réinventer ailleurs et de renouer et de nourrir notre relation, notre communauté, d'un autre point de vue, avec un autre outil, si on a épuisé cet outil, un autre lien, si ce lien-là a été rompu et qu'il est difficile de le recréer, on va créer un autre lien ailleurs. Et après, et c'est ça la capacité de se renouveler que le tambour a offert pour nous et peut offrir pour tout le monde.